Good morning, Aleïdan et Nessus. Aujourd'hui, le Nishmat, Avraham Mordechai Ben Israël Gefani et Dvorah Bat Esther. Si vous êtes aussi début, une prochaine étude du Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à la Sechati Vamot Perekhe Mishnah Delet. Keitzad, Asa Ma'amar Bezo ou Ma'amar Bezo. Tzrichot Shnegitin Vechalitza. Ma'amar Bezo, Vegan Bezo, Tzrichaget Vechalitza. Ma'amar Bezo ou Bal et Zo. צריכות שני גיטין וחליצה. מאמר בזו וחלץ לזו, הראשונה צריכה גט. גט לזו וגט לזו, לא נפס לנו לדוזיאם קומפרטימון. גט לזו וגט לזו צריכות אמנו חליצה. גט לזו ובעלת זו צריכה גט וחליצה. גט לזו ומאמר בזו צריכה גט וחליצה. גט לזו וחלץ לזו, אין אחר חליצה. כלום. בוא. Je rappelle le principe très succinctement cette fois-ci. Quatre actions qu'on fait face à une Yevama qui attend qu'on lui fasse le Hiboum ou la Khalissa. Deux, Minatora. Deux, instauré par nos maîtres, tout un système qui a été instauré par nos maîtres. Soit, selon la Torah, je fais le Hiboum. Dès que je fais le Hiboum, je vais avec elle, ça devient ma femme à part entière, et c'est fini. S'il y a une deuxième, une co-épouse, dès que je fais le Hiboum à l'une, l'autre, elle est libérée complètement. Je peux aussi décider finalement de faire la khalitsa. Je fais la khalitsa à l'une, l'autre devient libérée complètement. Et c'est fini. Et les deux deviennent libérées complètement en fait, quand je fais la khalitsa à l'une. Ok ? Chachamim ont instauré malgré tout que non, on va aussi pouvoir, étant donné que cette femme-là est à moitié mariée, déjà à toi, et que tu peux concrétiser plus le mariage, on va instaurer aussi un système de... Tu peux aussi lui donner des kiddushin, ou lui donner un guet aussi pour finalement l'éloigner de toi, que tu ne la veux pas. Alors que c'est pas encore ta femme. Et tu lui fais soit des kidusha et ma'amar, ça s'appelle soit un get les ma get les ikato. Un get de Yevama. Ok? Jusqu'à maintenant, on a appris qu'est-ce qui se passe si je fais deux actions avec une seule même femme. Soit avec la même femme, je lui fais kidusha et ma'amar, finalement je décide de faire le yiboum, ou je décide de lui faire la khalitsa. Comment est-ce que je fais pour continuer pour la permettre complètement, pour la libérer complètement? Ça, c'était la première, la Mishnah Bet et Gimel. Mishnah Dalet, on a un nouveau cas maintenant, où, comme se finissait la Mishnah précédente, où il y a deux Yevamot, et pour le moment, il y a un seul Yevam, d'accord? On avance doucement, doucement, et le principe, ça va être le même. J'ai commencé à faire une action avec une, il y avait Rachel et Léa, deux Yevamot qui attendaient que je fasse, qui viennent d'un qui était marié avec un même frère, et qui attendent que je m'occupe de la du Bet Achiv, de la maison de son frère. On attend que je le fasse quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Alors, selon le cas, je vais faire une action sur l'une et puis après l'autre action sur l'autre. Est-ce que l'action sur l'autre a une quelconque conséquence, incidence, je ne sais pas comment dire, est-ce que ça a fait quelque chose ou pas? C'est la problématique de la Mishnah. Par exemple, on va jouer, d'abord on va se familiariser avec les cas les plus évidents. Si j'ai fait le Yiboum à l'une, j'ai décidé de me marier avec Rachel, je le fais le Yiboum, je suis parti avec elle, c'est bon, c'est ma femme. Après, je décide finalement de quand même me marier avec la deuxième. Je vais soit lui donner Kiddushin et Mamar, ou bien soit même je vais aussi partir avec elle. C'est fini, la Kiddushin ne marche pas avec elle. Parce que c'est plus ma femme. Parce qu'elle ne peut plus être ma femme. Quand il y avait deux Yevamot qui venaient d'un même frère, je pouvais en prendre une et pas deux. Et de ce fait, la deuxième que je vais prendre, il n'y a plus de... Ça ne va pas marcher. La Michelle va me le dire après. Si j'ai fait le Hiboum. Idem aussi si j'ai fait la Khalitsa à l'une. Je pourrais plus faire, même si je vais faire le hiboum finalement, ou je vais donner des kiddushin à Mahamar, ça va pas, les kiddushin ne vont pas fonctionner, parce que, comme on a dit dans la mission précédente, ça va selon Rabbi Akiva, qui pense que maintenant il y a un interdit, et que tu as fait la khalitsa à l'une, tu n'as plus rien à faire avec elle, avec ces femmes-là, c'est fini. Il y a un interdit de lave, et de ce fait, le fait de donner kiddushin à l'une, ça ne marche pas, autant que tu donnes des kiddushin à ta sœur, ça ne sert à rien, parce que, il y a un chiyuv karet. Là, ici, c'est un interdit de lave, mais chaque kiddushin l'autre aussi. D'accord? C'est le principe de la Mishnah. On va pas. Cette fois-ci, dans la Mishnah, on va commencer avec le cas justement de Asa Ma'amar. Keitzad, Asa Ma'amar les eaux. Il a donné les kiddushin Ma'amar à une. Donc, il avait deux femmes qui attendaient qu'il fasse le hiboum, Rachel et Léa. Il commence avec Rachel, il lui fait les kiddushin Ma'amar. Après, il dit non, finalement, je veux Léa. Il donne les kiddushin Ma'amar à la deuxième. Et bien, la Mishnah me dit, tu sais quoi? Figure-toi que Tzrichot Shnei Gitin Vechalitza. Si finalement tu décides de renoncer et que tu ne veux plus faire le hiboum à aucune d'entre elles, tu devras donner deux guettes et lui faire la Khalitsa à l'une d'entre elles. Pourquoi donner deux guettes? Alors là, c'est un peu délicat. Mais le principe, il est simple. Quand elles sont toutes les deux, elles attendent
que je lui fasse le hiboum, elles sont toutes les deux à moitié mariées. À moitié, ça signifie que soit tu te maries complètement avec une, et tant que tu ne te maries pas complètement avec l'une, eh ben, tu peux encore en théorie te marier avec l'autre. Donc tu vas donner des kiddushin à l'une. Elle va devenir ta femme maintenant en trois quarts. Il reste encore un quart de libre. Tu vas voir la deuxième et tu lui dis, finalement, tu lui donnes des kiddushin à Amar. Finalement, concrètement, selon la Torah, si tu fais le hiboum à la deuxième, ce sera elle ta vraie femme et pas la première. De ce fait, quand tu vas lui donner les kiddushin à Amar à la deuxième, les kiddushin à Amar ont quand même une emprise sur elle, au point où si tu veux les libérer, tu devras donner un guet à l'une et un guet à l'autre, et après tu fais la khalitsa, d'accord? Tzichot shnei gitin va khalitsa. Il faut donner un guet à chacune, et puis après faire la khalitsa. Deuxième situation, ma'amar bezo ve get bezo. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a donné kiddushin ma'amar à l'une. Et après il a donné le guet à l'autre. Et bien la Mishnah elle me dit, yo yo yo, tzricha guet ve khalitsa. Il faudra donner le guet à celle à qui tu as fait le ma'amar. Et celle à qui tu as donné le guet, ou l'une ou l'autre, tu devras lui faire ensuite une khalitsa, et tu ne pourras plus te marier avec elle. Donc, je ne dis pas de bêtises. Les échercer au potret trata. Ouais, je crois qu'il y a un interdit. Je ne l'ai pas revu là récemment, hein, je voulais vérifier ça. Mais bon, je le dis à l'oral, je suis quasiment sûr que c'est comme ça. Que tricha, il faut donner un guet et une khalitsa. Le principe, il est simple. Le guet, il éloigne la femme. Comme la khalitsa éloigne. Imaginez, tu as donné le kiddushin ma'amar à l'une, après tu décides de faire la khalitsa à l'autre. Tu es d'accord que tu as interdit la première? Parce que tu as fait la khalitsa. Selon le même principe, comme ce qu'on va le voir d'ailleurs tout de suite, ma'amar bezo, il est où? Ouais, on va voir le cas juste après. Quand tu as donné le get, tu as fait des kiddushin ma'amar. Tu as fait des kiddushin ma'amar à l'une. Si tu décides de faire la khalitsa à la deuxième, du point de vue de la Torah, tout ce que tu as fait, c'est que face à la deuxième, c'est avec elle que ça a marché, tu as libéré toutes les femmes, toi tu ne pourras plus te marier avec la première. Selon ce principe, quand tu as donné le ma'amar à l'une et tu décides finalement de donner le guet à l'autre, sache que tu as, en donnant le guet à l'autre, tu l'as éloigné, mais tu as aussi invalidé la première que tu ne pourras plus la prendre en femme. D'accord? Ma'amar bezo, donc on en était, ma'amar bezo, le guet bezo, tu as donné le kiddushin ma'amar à l'une, et tu as donné après un guet à l'autre, et ben ta seule solution maintenant à faire, c'est de donner le guet à celle à qui tu fais le ma'amar, c'est un guet. Ensuite, tu fais khalitsa à l'une d'entre elles. Ok? Ma'amar bezo, balezo, ce qu'il a fait lui maintenant, il a fait autre chose. Il a donné le kiddushin ma'amar à l'une, et finalement, il décide de faire le hiboum avec l'autre, sans lui donner des ma'amar, il la prend, et il s'isole avec elle, il fait la mitzvah de hiboum avec elle. Et ben là, le hiboum qu'il a fait, c'est pas bon. Mais Minatora, il est bon. Donc Minatora, elle, c'est sa vraie femme. Donc il est obligé de la libérer en lui donnant un vrai guet. Maintenant, à part ça, Midera Banane, étant donné que le premier Kiddushin Ma'amar que tu as fait la première, c'est considéré comme si tu l'avais un petit peu mariée. De ce fait, si tu l'as mariée à elle, tu ne peux plus marier la co-épouse. Donc de ce fait, le hiboum que tu l'as fait à elle, c'était pas un bon hiboum. Donc tu devras donner un guet à elle. Redonner un guet à l'autre, après refaire la khalitsa. Tzrichot shnei getin ve khalitsa. Par contre, si c'était ma'amar bezo ve khalitsa, il donnait le kiddushin ma'amar à l'une, et après il a fait la khalitsa à la deuxième, arishona tzricha get. La première à qui tu donnais le kiddushin ma'amar, tu devrais lui donner un guet, mais après c'est plus la peine de faire la khalitsa, parce que face à la maison, au bet achiv, alors il a déjà fait la misa khalitsa. Seulement, par rapport au kiddushin ma'amar qu'il a fait, il doit résoudre le problème. Il doit libérer ce qu'il a rajouté. Il a rajouté des kiddushin, il devra donner un guet pour ces kiddushin. Principe relativement clair, on s'y fait. On continue maintenant avec nos autres situations. C'est pas qu'il a donné des ma'amar, les kiddushin ma'amar à l'une, mais il a fait le contraire. Il a commencé guet les œufs, il a commencé à donner un guet à l'une, mais guet les œufs, il a donné un deuxième guet à l'autre. Il faut qu'à l'une d'entre elles, il fasse une khalitsa. C'est normal, parce que c'est pas comme ça qu'on libère des yevamot. Il faudra lui faire la khalitsa. Guet les œufs ou ba'al les œufs. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné le guet à l'une. Et finalement, il s'est isolé avec l'autre. Il a fait la misa de hiboum avec l'autre. Alors de nouveau, il ne peut pas rester dans cette situation, parce que quand tu as donné le guet à la première, alors ça s'appelle que, Midera Banane, tu as commencé à faire la khalitsa. Si tu as commencé à faire la khalitsa, tu ne peux plus te marier avec l'autre. Tu décides de te marier avec l'autre, on ne considère pas que ça a marché, que tu t'es marié comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire? Tzricha guet ve khalitsa. À celle à qui tu as fait le hiboum, finalement, tu devrais quand même lui donner un guet, parce que officiellement, selon la Torah, c'est devenu ta vraie femme. Mais malgré tout, il faudra quand même faire une khalitsa, parce qu'une khalitsa, cette fois-ci, tu feras la khalitsa à la première, je crois. Non,
Toutes les deux, ils peuvent faire la khalitsa. Parce que finalement, le hiboum que tu as fait, c'est un hiboum invalidé, midera banan, puisque midera banan, c'est considéré comme si tu avais déjà commencé la khalitsa, donc le hiboum, c'est plus un hiboum. Donc il faudra faire un gat khalitsa. Gat lezou, ma'amar lezou. Maintenant, autre situation. Il a donné un gat à l'une, finalement, il a donné le ma'amar à l'autre. C'est khaget ve khalitsa. Il faudra redonner un get pour le mamar et puis faire une de khalitsa. Get les os, ve khalats les os. Si finalement il a donné le get à l'une, et après il a fait la khalitsa à l'autre pour la libérer complètement, eh bien, un acha khalitsa kloum, il n'y a plus aucune khalitsa. Une fois qu'il a fait la khalitsa, c'est bon, ça coupe tous les ponts avec les coépouses, avec toutes les femmes de son frère, que maintenant il les a libérées et puis il ne pourra plus jamais. Quel que soit ce qu'il fera ensuite, s'il va donner des kiddushim à Mamar ou comme ça, ça ne fonctionnera plus parce que de nouveau, dès qu'il a fait la khalitsa, il les a libérées. Elles lui deviennent interdites par Kacha Yasele, Shacher, Lo Yivnet Betachiv, il y a un lave, Lo Yivnet Betachiv, Kamen Shalobana Shuv, Lo Yivnet, il ne pourra plus se marier avec elle. Et il y a un interdit de lave, les kiddushim ne marchent plus. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.